Où est-ce qu'on est? Cousine. Dans ma tombe d'histoire, où a yaba suja revelator. Tu vas bien? Tu crois qu'il peut rentrer là-dedans? Comment vous m'avez trouvé? Rico, si tinga auto, sa taouba. On a pris sa navette et on est venu le plus vite possible. Et maintenant qu'on te tient, on peut filer d'ici. Merci à vous deux, mais il est hors de question que je m'en aille. Tiji Wamake. C'est toi qui t'as pour la niche. ND est sous le contrôle de Jaylen. Il bossait pour Jaylen bien avant qu'on débarque là-dedans, ok? Et sans lui, aujourd'hui, tu serais enfermé dans un labo impérial. Et toi, prisonnière sur Kijimi. Ouais, on a perdu. Mais ND est le seul à ne pas pouvoir s'enfuir. Ouais, tous pour ND. Prends ça, et te fais pas voir. Ouais, vas-y, Miku. Hank, tu veux préparer quelques surprises? Toi, ma bola, d'autodis. Quand tu le trouveras, mets ça dans son plot de contention et ND5 sera libre. Maintenant, toi et moi, on va trouver le pont. Et pour l'armée de boîtes de conserve qui nous encercle? C'est que ce sourire. Ça tombe pas à ça du tout. J'avoue, franchement, par contre, ce coup-là, je sais que là c'est ironique, mais moi je l'avais pas vu venir. Doucement. Je l'avais pas vu venir, franchement. Mais je suis trop en bisous. Reste près de moi. Avant de... Non, c'est toi qui reste près de moi. J'ai un blaster, je te rappelle. Vous avez entendu parler du racket. Faut pas donner l'impression qu'on est perdu. Où sont les turbo-ascenseurs? Comment je suis censé le savoir? J'ai jamais été affecté à un destroyer stellaire. Rien à signaler ici. Non, nous sommes tout à fait normaux. Donc ton plan, c'est simplement d'aller voir ND5 avec le pic Liberté. Ça devrait faire sauter son pot de contention. Non? À moins qu'il fonctionne pas, le pic. Ou que tu puisses pas t'approcher. Et si on reconnaît ta démarche? Je me ferais blaster. Oh. Bah, si c'est que ça. Ouais, toujours rien à signaler. Vermine rodienne. Très original. Pourtant, depuis le début, tu dis toi-même que tout le monde trahit tout le monde. Non, c'est vrai. Mais je pensais qu'on avait notre quota maintenant, que ça y est, on était une équipe et tout. Mais non. Votre rapport, à vous. Grand Max me disait, notre mère, elle va peut-être nous faire un truc foireux. Ouais. Grand Max. Jaylen, tu sais que c'est un pourri, mais pour moi, c'était vraiment un pourri qui voulait juste se faire de la thune, en fait. Alors qu'en fait, c'est un pourri qui veut de la thune et du pouvoir. Compris. Ce qui est logique en soi. Hein. Soldat. Je l'ai quand même pas vu venir. Où emmènes-tu ce prisonnier? C'est un transfert standard. Aucun transfert n'est planifié aujourd'hui. D'ailleurs, je ne vois même pas de dossier pour ce prisonnier. Les ordres viennent directement d'en haut. J'en doute fortement. Écoutez, je fais ce qu'on m'a ordonné. Vous voulez causer des ennuis? Allez-y, faites remonter ça au BSI. C'est le BSI qui a ordonné ce transfert? Ah, et bagarre peu. Vous n'avez qu'à les appeler. Je parie qu'ils vont adorer entendre que vous retenez un prisonnier ici. Et j'espère pour vous que vous n'avez rien à cacher. Non, non, pas la peine. Vas-y, soldat. Bien joué. C'est aussi simple que gérer la police de Kanto. Il y a une salle de contrôle. Tu peux accéder au terminal du vaisseau? On doit trouver ND5. Ok. Comment tu veux procéder? Tu vas voir. Reste hors de vue une seconde. Quelle est votre situation? À vous. J'ai bien la ligne, caméra. Ok. La caméra. Tu peux la couper? Je sais pas, moi.
Mais c'est vrai qu'ils auraient dû le renommer Star Wars Trahison, le jeu. C'est bon. Il se passe que ça tout le temps. Il y aura un officier quand même. T'inquiète, je vais m'en occuper. Mais c'était du spoil, c'est vrai. Ça devient presque effrayant. Contente-toi de trouver les plans du vaisseau. J'accède à son noyau de données. Il fallait qu'il fasse tête en verlan, c'est genre Mitra, je sais pas. Mais... Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ici? Apparemment, il a été appelé pour une conférence. Tu paries combien que Jaylen et MD5 sont là-bas? Si j'arrive à temps, je pourrais rejoindre son escorte. C'est une très mauvaise idée. Je suis un Stormtrooper, Giddick. Pour Sliro, je suis invisible. Je déverrouille la porte. Prends le turbo ascenseur avant qu'il parte. On a un timer et tout. Soldat, tu es relevé. Quoi? On ne m'a rien dit. Arrête de me faire perdre mon temps. Tu es relevé de ton poste. Alors maintenant, disparais. Bien sûr, monsieur. Je m'en vais. Ouais, mais là, c'est trahison sur trahison, faire pro, ça fait beaucoup. Je veux bien qu'on s'en doute, c'est dans le milieu, mais quand même. Est-ce que c'est toujours comme ça? J'en ai bien peur, monsieur. Quelle honte. L'état de la flotte impériale est lamentable. Là, on fait un coup de tête, coup de tête. On pourrait mettre une petite musique d'ascenseur, hein. Quel incroyable culot! Qui oserait me convoquer à l'autre bout de l'Empire? J'espère que cette affaire est de la plus haute importance ou quelqu'un en pâtira. Oui, directeur. Je vous escorte au pont, monsieur. Je connais le chemin. Pas besoin d'un subalterne pour me tenir la main. Directeur Barsha, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une brèche de sécurité. C'est une affaire personnelle. Vous avez fait preuve de négligence avec des renseignements impériaux. Votre utilité auprès de l'Empereur touche maintenant à sa fin. Jaylen? L'Empire accepte vos conditions, Jaylen Vrax. Joli cap. Je parie que la fourrure, c'était ton idée. Les coordonnées de la base rebelle. Direction à Kiva, mon ami. Les conditions? Le Seigneur Vador est très exigeant. En échange des rebelles sur Akiva et la restitution de certaines informations sensibles. Tu n'as toujours pas compris. Les conditions, Jaylen. L'Empire va me donner Zerek Besh. Et toi? Tu lui as dit... que nous sommes frères? Ce n'est qu'un détail. C'est vrai qu'il se ressemble. De ce que tu as fait. Je sais. Il n'a pas que toute sa famille. Ce que j'ai fait. La guerre des clones était finie. Nos usines allaient se lancer dans la construction de milliers de destroyers pour la flotte impériale. Nous aurions été la famille la plus riche de Corellia. J'ai fait ce que j'avais à faire. Tu nous as accusés de comploter contre l'Empereur. Et pourquoi, au juste ? Une promotion. Nous avions absolument tout, Sliro. Non. Toi, tu avais tout. Moi, je suis resté l'erreur de ton père. Tu avais une place à notre table. J'avais les miettes. Et tu ne ratais surtout jamais la moindre occasion de me rappeler que c'était toi, son préféré. L'héritier. C'était moi! Nous formions...
une famille. Bon. Tu me dois un empire. Alors je prends le tien. Tu te souviens de ND5 ? Pas de cette cicatrice sur son torse. Tu l'as envoyé traquer et éliminer tous les Barsha encore en vie. Ce que tu peux... Ah ! Bon bah ça c'est fait. Je pensais que j'allais ressentir quelque chose. Ça avait dû venir pour moi. Rétablir l'équilibre, c'est ça ? En fait, c'était pour vous venger de votre frère. Tu dois le savoir, Kay. C'est la famille qui nous blesse le plus. Si tu es là pour le Codex... Je suis là, pour ND. Et lui, je suppose. Tu veux rire ? Eh bien, viens les chercher. Giddick, les choses ont mal tourné. ND m'a vu et maintenant il essaie de me tuer. Ok. Ah bah super. Je vais trouver le chemin le plus court vers le hangar. Non, j'ai encore le pic avec moi. Je me force. Je n'abandonne pas. Éloigne-toi de moi, Kay. Ah, c'est pas en chemin. Mais il court vite, le robot. Pas qu'il s'en est plus. Il est mort. Ok, j'ai cru que j'allais encore tomber dans un trou, c'est ça ma vie. Non, c'est bon. La malédiction est levée. Je suis pas sûr d'avoir reçu en fait. Ah mais je vous jure, là j'ai vu ma vie défiler, j'ai vraiment cru que j'allais tomber dans le trou. Ça m'est arrivé trop de fois. Il y aura un turbo-ascenseur trop devant. Ok, ça marche. On est sauf. Ok. On peut partir, tu sais. T'auras essayé. Mais laisse-moi tant que ton pic fonctionne, j'ai encore une chance d'y arriver. Ok. Cache pas, Guidi, qu'elle s'est attachée à ND5, tu peux rien y faire. Par où qu'on passe ? Par là-bas, peut-être. On a quand même looté des sacrés trucs hein, au fur et à mesure de ce braquage. Tu aurais dû écouter Rico, Kay. En fait. Je t'ai offert un nouveau départ. Tu aurais pu tout recommencer. Vous comprenez rien. Je veux pas repartir à zéro. Je veux mon équipage. Pourquoi j'ai moins de soins? Ah, parce que j'ai pas ma tenue, je crois. Ma tenue m'en donnait, il me semble. Quoique. Ah, oh, je sais plus. Que j'ai une barre en moins là. J'ai clairement une barre en moins. Giddick, où je suis? D'après les plans du vaisseau, tu as devant toi les noyaux de puissance principaux et secondaires des boucliers déflecteurs. On parle de quel genre de puissance, là? Suffisant pour étourdir un droïde BX, non? Les composants de ND5 sont blindés, mais ça devrait l'arrêter un moment. Dis-moi comment faire. Tu dois alimenter les deux noyaux. Ils déclencheront une décharge d'urgence via leur émetteur central. Compris? Donc, j'active les deux noyaux, je la tire au milieu, et quoi? Ça l'étourdira? À peu de choses près. Tout à fait rassurant, votre histoire, les gars. Je suis caché. Merci pour le lurk, Jenny. Coucou à toi. Alors, tu veux que je saute? Là, on est d'accord, hein. Hihi.
Félicitations pour être sorti de la capsule de sauvetage. Mais tu aurais dû fuir. J'espère simplement que ND5 n'aura pas tout fini avant que j'arrive. Salut Jason. Oui, on est sur la fin du jeu. Émetteur, je dois configurer le piège sur la console. Ok. Oh, il se passe rien. Quelque chose cloche avec les noyaux. Tu veux que je le remette un coup de jus peut-être? Ah non, j'ai pas mon pistolet, c'est Nixon qui l'a. Dick, je suis au premier noyau. Active-le. Il nous faut autant de puissance que possible. Je vais déverrouiller. Ça va pas le tuer, n'est-ce pas? C'est un droïde de combat coup de canne, Kay, mais il est vieux. Je garantis rien. Pourquoi je peux pas... Verrouiller. Bah oui. Je peux peut-être activer les noyaux avec les commandes manuelles. J'allais dire, si t'enlèves ça, ça peut être bon, non? Ah non, on a plus notre blaster, c'est vrai. Ennemi en vue. Cours et ne te retourne pas. Quoi que tu essaies de faire, ça ne marchera. Tu fais trop de bruit, Kay. Là, c'est un trou et il n'y a pas de chemin aussi. Ah si, ça y est. Pour le coup, j'ai cru que j'étais dans un cul-de-sac. Tu essaies de surcharger les noyaux déflecteurs. Pourquoi? Pour brouiller tes capteurs. Tu mens, Kay. J'essaie de vous sauver tous les deux. Kay, tu n'aurais pas dû venir. Tu sais que je ne peux pas contrer les ordres de Jaylen. Comprends-moi, ND. Fallait bien que j'essaye. Désormais, j'aurai aussi ta mort sur la conscience. Ah ben super. Il n'y a qu'une issue. Jaylen a gagné. ND, je sais que tu veux pas faire ça. Ce que je veux n'a plus d'importance depuis très longtemps. Et pourtant, tu continues à me parler. Il y a un conflit en toi. Le plan ne fonctionne pas comme ça, Kay. Absolue. J'entends des tirs de blaster, Kay. Ça veut dire que la fin est proche pour toi. Toujours aussi positif, hein, les jeux. Donc là, faut qu'on recommence. Thank you.
Ah, attendez. Ah non, j'ai cru qu'il y avait du soin. J'allais dire, c'est bien ça. Mais non. Il y a pas. D'où est-ce que tu viens? Super. J'anticipe ton prochain mouvement. Tu ne peux pas contrôler, j'ai été créé pour le flatter et détruire. T'es plus qu'un simple droïde de combat. Si c'est ce que tu crois, Kay, tu te berces d'illusions. Oh! Je finirai bien par te trouver. Essaie de me tuer à coup d'honnêteté maintenant. Je vois que tu es différente aujourd'hui, Kay. Tu mérites de survivre. Cela n'arrivera pas si tu continues ce que tu fais. Tu ne peux pas m'arrêter. J'ai tant de temps. Cible repérée. Il y a du soin en vrai là-dessus. Ça ferait ça. Okay. C'est pas évident de se repérer dans ce truc là. Cours, Kay, cours. Ah d'accord. Donc là, faut que je recommence ça. Super. Et c'est encore, ouais. Je t'avais dit que je te trouverais. Je finirais bien par te trouver. Et j'ai vu ton ombre là juste à côté de nous. Tu dois fuir. T'es con parce que j'avais bien géré ce truc là. Ah mais non mais c'est bon. Non non c'est bon. Je crois que ça a bien sauvegardé. C'est juste ça en fait qui est pas relancé. Sors de là, Kay. Kidik, j'ai activé le deuxième voyant. Kay, fonce vers l'émetteur. Il y a trop d'interférence. Je dois la tirer au milieu. Mais on passe pas là! Mais. Je t'ai dit de t'enfuir. Attends, mais c'est quoi la soluce là? On doit aller là-bas. Ok. Je peux pas passer par d'où je venais. J'ai sauté de vachement haut. Ennemi en vue. Pas du tout passer. Je peux pas passer là-haut. J'ai activé le deuxième noyau. Kay, fonce vers l'émetteur. Il y a trop d'interférences. Je dois la tirer au milieu. Ils veulent que je la tire là-bas. Au milieu, mais je peux pas la tirer là-bas. C'est trop bizarre. Est-ce qu'ils touchent cette porte-là? Ok. On a peut-être un chemin caché à prendre. Me voilà, t'as gagné. Je combattrai plus, mais je sais que c'est pas toi. Ah, c'est Jaylen, n'est-ce pas? Je t'avais dit de fuir. En fait, va les faire tout le tour. C'est un peu couillon. Imaginez ça de toi. Plutôt résistantes ces unités BX. Blaste-la. Non. Oh.
Oh. Pas mal. Je vais prendre ça. Est-ce que ça va? On ne peut mieux. Cool. C'est le retour du karma. Parce que je peux pas respirer dans ce truc. Je vais te remercier, Kay. Mais pas m'excuser. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai rien demandé à Sarah. Écoute, le Codex peut sauver beaucoup de vies. T'as affronté la plus grande puissance de la galaxie pour sauver un ami. J'essaye de sauver les miens. Va appuyer sur le bouton, Nix. Giddick, tu m'entends? Oh, Kay, t'es vivante. Asara et ND5 sont avec moi, et on aurait vraiment besoin d'un turbo-ascenseur. Compris. Il y en a un droit devant. Je l'appelle pour toi. Si on a ça, c'est pas tout à fait rassurant. Moi, je vois. Voilà l'ascenseur. Et voilà les Stormtroopers. Un environnement riche en cibles. Lui. Mais meurs. Lâcher ton truc là. Oh là là, même il me faut trop mal. J'ai plus de chance. X, le bacta. X, il me faut du soin parce qu'il envoie un peu en rouge et noir là. Ne lâche rien. Non.
toujours pas mort, non ? Bref, nous en reste deux. Vous me recevez ? Thaïs, Corvus de Houha. Base de Kivo, à vous. Ténion, il faut évacuer. L'hyperpropulseur est prêt. On peut sauter. Azara ? J'entends mal. Tu peux répéter ? L'Empire sait où vous vous trouvez. Vous me recevez ? Redirection vers les déflecteurs. Les déflecteurs ? Mais c'est une blague. DJ Sapolla, ta cliche ? Azara ? Essaie encore. Là, on rejoint la rébellion. Je demande un petit coup de main. On verra. Je détecte trois escadrons de combat de chasseurs TIE. Bon, oh, ça fait longtemps que t'es pas battu. Regarde à droite. Je m'en occupe. Tourelle activée, Kay. Basse Kivo, vous me recevez ? Un destroyer stellaire arrive en position de bombardement. Ténion, tu m'entends ? Allez, aucun message qui passe. Ah, mais ils sont où ? Touché, Kay. T'inquiète. Bouclier HS ! Pourquoi ça marche pas ? Je vais essayer d'amplifier le signal. T'as pas intérêt à pomper l'alimentation des déflecteurs. Ténion ! Passe qui vaut ! Et quoi ? Vous me recevez ? Regarde à gauche. Et je m'en occupe. On nous tire dessus. Tourelle armée, Kay. Subissons des dégâts. Nous sommes touchés. Sur la gauche. Ok. J'arrive pas à contacter la base. Ils ont un brouilleur qui bloque les communications. Kay, tu dois le détruire pour que le Marvel reçoive le message. Entendu. Alors on le détruit. On a perdu le bouclier. De leur moteur.
Oui, bah là, je suis focus sur ce gros machin, là. Ah! Genre, il est mort, on est mort. Ok. Bon, on a peut-être pas une puissance de feu assez OP. Hein. Aïe, aïe, aïe. Pour s'attaquer au petit, j'ai pas l'impression que ce soit efficace. Tu dois le détruire pour que les rebelles reçoivent le message. Entendu. Concentre tes tirs sur leur point faible. Voilà. C'est simple, efficace. En gros, la première version, c'était ce qu'il faut pas faire. La deuxième version, c'était comment il fallait jouer. Je perds le contrôle. Pourquoi je perds le contrôle ? C'était calculé. Sarah, réponds. Kenyon, t'as survécu ? On va dire ça. Ok. Pas mal. Pas suffisant. Donc ? Quelqu'un a répondu à la balise. Quoi ça ? Léa Siga répond à votre appel. Et merci d'avoir répondu, votre Altesse. Reine, Majesté. Nous exigeons un échange. Un échange ? Le Codex. Nous allons le prendre. Ah, ça ? Deal. Dites aux rebelles que nous sommes alliés. Pour l'instant. C'était ça le lancement d'appel. Les Hutt, ils pourraient venir aussi. On est amis avec les Hutt. Hein. Je suis d'accord. Bon, les autres, non. Les autres, non. Mais pas. L'évacuation des rebelles est en cours. Mais si ce destroyer stellaire tire sur l'usine, Mira subira des dommages catastrophiques. J'ai compris. Il faut qu'on trouve un moyen d'empêcher ça. On peut vraiment arriver à abîmer ce truc? Pas avec ces boucliers. Kay, tu dois détruire les générateurs de boucliers. Ok, Denyon, dis-moi franchement, on a vraiment une chance contre ce truc? Il y a toujours un espoir, Kay. Je dirais 4 contre 1 pour l'Empire. Oh, c'est pas si mal. Ah bah voilà, quand même. Ouais, je reste en face à face avec lui. Tourelle détruite. Voilà. Le réacteur est vulnérable. Reçu. Informe nos amis qu'on lance notre attaque. En vrai, ils choisissent le plus haut, j'étais bon dans tous et il y en a qu'un qui a appelé, de mémoire. Ok. Moi non plus. Merci pour l'info, faire coup. Bon, écoutez, avec ce qu'on a tiré du codex, Jaylen avait raison. On peut prendre notre revanche sur l'Empire. Quoi, t'es sérieux ? On a eu de la chance. Parce que détruire un destroyer stellaire gratuitement, c'est de la chance. Bah, y a du talent quand même, un peu. Mais... Tu pourrais nous servir. J'en ai marre de servir les autres. Fais attention à toi, Sarah.
Et toi, alors? Banke danko. Venta minor luna detta bola, ginuma. Titokitas legaton. Ah, c'est dommage. Moi, j'ai un boulot. Ça grouille de droïdes partout dans les casinos. Droïdes ou bakava pagwa. Et des coffres à faire sauter en mille morceaux. Ok, ouvenolea. Amusez-vous bien, tous les deux. Je serai là pour vous tirer d'affaire le moment venu. La prochaine, c'est pour moi. Alors, tu récupères leur ardoise ou c'est moi? Tu veux toujours ta chambre? Ouais, garde-moi une place au chaud. T'es chez toi ici. Et notre mère, du coup, elle s'est barrée comme une voleuse et voilà quoi. Ah oui, elle, c'est vrai, tiens. Je me demandais quand t'allais arriver. Je suis là que pour mes 20%. 10. Mais si je te proposais mieux? Je croyais qu'il avait été perdu au combat. Pour les autres, oui. Je me suis dit qu'il renfermerait assez de secrets pour démarrer une petite affaire. M'oublie pas quand tu seras à la tête de la pègre. On pourrait faire équipe. J'ai ce qu'il me faut. Mais bon, je suis facile à pister, pas vrai? C'est pas ce qu'elle devait donner aux Ashiya. Alors, où va-t-on maintenant? On va où on veut, ND. Il est... Vers le ciel et au-delà. Alors ça, c'est bus d'éclair, normalement, mais bon. Ça peut être que je me découvre aussi, hein. Par contre, la musique, là, on s'entend plus, les frérots. Eh oh! Mais il veut pas passer. Ah, en fait, on est censé appuyer plusieurs fois. D'accord. Bah oui, il y a forcément une petite cinématique d'après. La meilleure pirate de la galaxie avec des crédits marqués plein les poches. Ah bah super. Jaylen Vrak, c'était malin, n'est-ce pas? Je vois que vous avez lu mon dossier. 10 équipes en l'espace de 9 ans. Pas de foyer, pas de famille. Et absolument aucune attache. Sauf une. Une idée de ce que ça peut être? Un pari sur la course de Fazias? Un tracker. Du genre costaud en plus. Personnalisé. Je dirais qu'il a au moins 10 ans. La personne qui l'a conçu tenait vraiment à savoir où se trouvait sa cible à tout moment. Ça se comprend. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour nous aider, n'est-ce pas? Mais... on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Pas mal. Pour une impériale. Cette prisonnière a besoin d'être seule pour réfléchir à ce qu'elle a fait. Ça nous va pas trop, la tête d'officier. Bon, on a quand même sauvé Moment, quoi. Ouais. Non, en vrai de vrai, c'était très cool. J'ai beaucoup aimé l'aventure. Je comprends aussi quand vous me disiez que la fin, là, elle avait quand même un peu un move. La fin, en fait, voilà, vraiment cette accélération, elle est vraiment chouette. Et c'est vrai que ouais, les dernières quêtes, je trouve, se matchent bien. Alors par contre, on se prend quand même une vague de retournements encore dans tous les sens, entre trahison, révélation, etc. Ça va dans tous les sens.
Mais à la fin, ouais, tout est bien qui finit bien d'une certaine manière. Est-ce que, par contre, il y aura un 2 ou une suite? Ça veut dire la même chose, toujours, mais bon, ça pourrait vraiment être toute autre histoire ou vraiment quelque chose. Ensuite, à l'histoire, vraiment, à proprement parler, je suis pas sûre. Une nouvelle aventure, par contre, je me dis, c'est possible. Voilà, c'est possible. En tout cas, c'était très cool. Merci encore Ubisoft, parce que sans eux, je n'aurais pas eu cet accès. Donc, merci encore à eux. C'était une super cool aventure. Super cool. J'ai l'impression d'avoir donné un argument de 3,5 ans. Mais non, franchement, c'était bien. J'ai vraiment bien aimé. La musique te couvre. Ah, je parle pas assez fort. Ah. Ouais, bah en gros, j'ai dit que j'aimais bien, et voilà. Hein. C'est ce qu'il faut retenir. Et j'ai dit merci Ubisoft aussi. Très bien ce jeu. Bah, je suis ravie en tout cas qu'il vous ait plu. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui ont suivi ce let's play. C'était vraiment cool de le faire avec vous. Et puis, voilà, arrête la musique, tu m'emmerdes. Voilà, tu vas trop fort. Je te chute. Tiens, regarde. Hop, bouton magique. Bye la musique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant à ton avis? Bah rien. Encore des choses à faire, c'est fini pour le moment. Ouvrez le journal pour voir les quêtes et les informations restantes et trouver tous les secrets de chaque monde. Voilà, donc maintenant en gros le jeu te dit, eh ben la galaxie est tienne, tu as toujours bien sûr un réseau de réputation si tu le souhaites. Mais voilà, en gros nous avons juste plus de quêtes principales mais on a tout le reste. Voilà, rien n'empêche de terminer le jeu à 100%. Voilà, voilà. Par contre, je reste quand même avec une interrogation. C'est quoi le trou au milieu des experts? Parce qu'on a toujours un expert qui manque. Enfin, pour moi, c'est un manque, ce trou. Ou pas. Mais je trouve qu'il manque quand même quelque chose. Enfin, bref. Une quête un peu perdue dans la jungle sur Akiva. Ah ouais? Parce que moi, qu'est-ce que j'ai sur Akiva? Parce que déjà, le Akiva nous donne quand même une information, mais... Que là, ça c'est du loot. Non, bah, j'ai pas dû l'avoir parce que sur Akiva à proprement parler, j'ai fait quand même quelques tours. Mais. Enfin, genre la petite ville dans la jungle, là, j'avais parlé à tout le monde, machin, j'avais fait tout le tour. Je m'étais arrêtée sur un ou deux points. Il y a sûrement un endroit du coup que j'ai pas dû fouiller. Assez étonnant en fait, parce qu'en vrai les autres experts nous sont quand même assez mis en avant. Donc je reste assez étonnée. Mais soit. Bon, bah voilà, bah on a la réponse. Donc bah merci. Hein.